Le jeu est quand même bien. Bon, c'est la nuit, du coup, je vais pas trop marcher. Sinon, il y a des mobs, ils vont pop. On va regarder la suite du DLC. Il manque donc l'uniforme de garde. Faut que j'aille au relais de la rivière. Très bien. Relais de la rivière, celui-là, je le connais. Ça doit être celui-là. Non, relais de la forêt. Très bien, je me suis foiré. Relais des marécages. Ok, je suis nul. Ok, c'est là. J'aime bien comment je cherche alors qu'il y a un point jaune. Point jaune. Point jaune. Pressure réceptacle. Encore une fois, je répète, si j'ai peu de PV, c'est juste parce que j'ai pas mis de cœur avec les trucs. J'ai mis que de l'enduit et les autres cœurs, je les ai eus en faisant des donjons. Donc c'était les cœurs de l'aventure. J'ai toujours eu la flemme d'aller les revendre. Sanctuaire de Wagat Kato. Kata. Wago Kata. Oh mon dieu, je sais pas lire. Pro de voyelle. Consonne. Voyelle. Il pleut tous les jours hein, en ce moment. Il pleut tous les jours. Alors, Bourgette, c'est tout spécial EX volume 4. Du matin au soir, du soir au matin, Bourgette recherche pour vous les ragots les plus croustillants. Celui-ci intéressera les mordus d'histoire. Il concerne une troupe de soldats disparus lors du grand fléau. La garde royale. Parmi les gardes du château d'Hyrule, certains étaient chargés de la protection rapprochée de la famille royale. On raconte que leur équipement se trouverait encore aujourd'hui au château d'Hyrule. Selon ma grand-mère, qui était servante, il serait conservé dans trois coffres. Un dans un couloir près de la grande salle, un dans la salle d'armes et un au premier étage des quartiers principaux. Jusqu'au jour. J'espère qu'un jour le château d'Hyrule retrouvera sa splendeur passée et que la garde royale se renformera. Et quand est-ce que j'aurai ma garde personnelle rien qu'à moi, hein? Ok. Ah, donc faut que je retourne dans le château d'Hyrule. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Alors. Mettre une map sur le château d'Hyrule, c'est compliqué. Parce que le château d'Hyrule, il a une map en 3D. Qui est pas mal stylée. Du coup, on va juste y aller. Hein. Je pense qu'on va dormir parce qu'il fait nuit. Bienvenue. Un lit moelleux. Et on va dormir jusqu'au matin. Que j'aime pas la nuit. Et j'espère qu'il pleut plus. Et on va aller trouver les coffres. Ah, il fait beau. Et un petit cœur bonus. On va récupérer notre ami à la crinière rose. Ah mais non, je peux l'appeler. Ah non, je peux pas l'appeler parce qu'il a pas la crinière archéonique. Ah ça c'est chiant. Emmener un cheval. Il va tellement mourir. Il va tellement mourir maintenant que j'y pense. À cause des gardiens. C'est pas grave. Et on fera en sorte qu'il meure pas. Alors, le château d'Hyrule, on va juste mettre un marqueur, comme ça au moins je m'y dirige. Et il y a un autre marqueur ici que je vais retirer. Ah ok, c'est dans l'autre côté. Pouet, 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 pouet. Après, il se déplace assez vite, hein. Ouais, t'as un cœur jaune. Quand tu te reposes dans un lit moelleux, ça te donne un cœur d'armure bonus parce que tu t'es bien reposé. Il y a aussi de la nourriture qui te donne un cœur d'armure. Genre, si j'avais dormi dans un lit normal, j'aurais juste eu. J'aurais été full vie, mais j'aurais pas eu de cœur d'armure. Alors, on va essayer d'esquiver les gardiens. Pas que j'ai peur des gardiens ou quoi, c'est juste que. J'ai la flemme de voir mon cheval mourir. Oh là là. Oh là là. Ah ouais, ok, d'accord. Ok, d'accord, j'ai vraiment pris le chemin le plus pas possible. My bad, on va contourner. Je pourrais me TP, hein, mais on va profiter un peu de la crinière rose de ce cheval. Qui est splendide. Magnifique, ma chérie. Ça fait quoi si tu vas dedans? Il meurt. Enfin, on prend des dots, quoi. C'est de la corruption. Je crois que mon cheval il meurt. Il est trop beau. Là, l'objectif c'est le château là-bas. En essayant d'esquiver tous les gardiens sur la route. Comme ça, le cheval il meurt pas.
Bah, je pense pas qu'il va mourir si je croise un gardien. J'ai juste abandonné mon cheval et j'irai tuer le gardien. Mais ça fait longtemps que je pas joué au jeu, hein, je suis rouillé. Normalement les gardiens ils sont gratuits, franchement. Ça devrait pas poser problème. Par contre ce que j'ai bien envie de réessayer c'est de renvoyer des lasers de gardiens. Mais ça fait longtemps. Ça fait vraiment longtemps. C'est par la forêt. Le château tellement machiavélique. Par contre, je suis content d'y retourner dans le château parce que j'ai adoré la musique qu'ils ont mis dedans. Elle était vraiment bien. Alors j'espère que c'est pas un vrai. Non, ça a pas l'air. On dirait que j'ai arnaqué tout l'univers et que je vais pouvoir rentrer par ici. Alors je vais laisser mon cheval ici quand même. Et on va y aller. On va y aller plus en mode Link quand même parce que le château d'Hyrule c'est stylé. Alors le mode Link, j'entends par là d'être habillé en vert quoi, rien d'autre. Ça suffit déjà. Par contre pas Tingle hein. Pas abusé. Et le frog vert. Avec l'épée de beau gosse. Qu'on a amélioré avec le DLC et ça. Par contre en niveau arc, on n'a pas vraiment l'arc. On n'a pas l'arc de lumière ou quoi que ce soit. On va utiliser l'arc de Linel parce que c'est trop bien. Prends ta nuit à amour, trop dark. Ah ouais j'avoue. Mais on va la mettre pendant le DLC. Mais on sait qu'on peut la mettre, on est trop dark. Hop. C'est dommage que je puisse pas l'améliorer. Mais peut-être pendant le DLC on va pouvoir l'améliorer. Peut-être c'est ça l'idée. Mais j'en sais rien. Ah ouais c'est vrai, faut y aller par le pont d'entrée. Le château de Dirul, t'as deux moyens d'y rentrer. Soit tu y vas full face et tu escalades. Ce qu'on pourrait faire hein. Soit par l'entrée, ce qui est poli, ou par derrière, ce qui est moins poli. On va essayer de sauter dedans. J'ai jamais essayé. Si je monte tout là-haut, c'est possible ou on peut pas marcher là-dessus? Ah non, on peut pas courir là-dessus. Ah, c'est dommage, ça aurait été trop facile. Ah, j'ai dû sans doute essayer à l'époque et j'ai jamais pu. Donc la map du château elle est pas mal complexe, mais c'est assez simple à comprendre une fois que t'es habitué au jeu. Allez, je pense que je peux. Attends. Faut être intelligent et utiliser les pouvoirs qui sont à notre disposition. Surprise, butt sex game. En fait, là, c'est comme quand tu finis le jeu, en gros. Ah non! Hop! Tu vas pas me baiser! Ah merde! Ah si, tu vas me baiser! Quoique je peux faire un truc super stylé en fait. Voilà! Hop! Ta race! Et voilà! Hop! J'ai un sabre laser, mon gars! Tu ne peux rien y faire! Hop, 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 et on y est. Oh, stylé. J'avais jamais vu. Un Korogo. Korogu. On ne sait plus. Et les vaisseaux de Garalmar, ils font quoi? C'est FF. Ils sont trompés de jeu. Mais ils patrouillent pour te niquer ta race. Du coup, on va juste essayer de se rappeler où faut aller. Donc, couloir près de la grande salle. Salle des armes et les quartiers principaux. Donc les salles des armes, je sais c'est où. La grande salle, je sais c'est où. Les quartiers principaux, j'imagine que c'est la toute fin, là où il y a là où habite Zelda. Point. Ah là par contre, je vais pas y arriver. Ah merde. Alors attends.
Je crois que par là, je peux accéder à la salle principale. Par ici, je crois. Enfin, par la salle des armes. Je crois que la salle des armes, elle est pas loin d'ici. Salut toi. Surprise, bad sex. Bam. Ah là là, c'est marrant. Oh, de la bouffe. Après, je suis pas obligé de les attaquer. Hein. Je peux juste avancer, faire mon truc. Donc ça, c'était la salle à manger, mais c'est pas la grande salle, je crois. Position actuelle. Déjà, on va aller à, déjà, on va aller à la salle des armes. La salle des armes, je sais où c'est 100%. Parce qu'il y a des armes dedans, donc forcément, je m'en rappelle. Lol, mais il y a tout qui est rouvert. Ah, mais c'est vrai, c'est comme si je l'avais jamais fait, le donjon. Vu que ça sauvegarde pas. C'est normal, en fait. Que c'est pas ouvert. Mais merde. Oh là là, c'est chiant. Parce qu'en fait, j'ai déjà réussi tout le donjon, mais je peux pas le faire. Vu que quand tu finis le jeu, ce qui se passe, c'est que t'as la fin du jeu, mais tu sais, tu sauvegardes pas, ça reprend juste avant que tu fasses la fin du jeu. Donc tous les chemins raccourcis que tu débloques dans le château, ils sont pas débloqués. Du coup, c'est comme si je devais refaire le château, quoi. Parce que tous ces murs-là, ils sont faits pour t'empêcher d'avancer. Oh, stylé, une épée électrique. Jetons une arme. Une épée électrique, c'est toujours sympa dans certaines situations. On va jeter l'arbre sylvestre. Hein. Quoique, on va jeter ça. Hop. Nice. Les flèches. Non, mais moi je rage déjà assez bien tout seul. Hein. Je rage déjà assez bien tout seul, t'inquiète pas. Hop. Wouah. Oh. Alors là, j'ai pris cher. J'ai voulu faire un truc stylé pour esquiver les deux, mais le sol était trop proche. Parce que je comptais me renvoler en fait. Ah, j'essaie de renvoyer, c'est chaud. Alors attends. Comment on fait encore pour envoyer? Ah voilà, comme ça. Bam! C'est qui le roi ici, gamin? Putain, fallait juste que je retrouve la touche. Ça c'est stylé, tu vois. C'est que pour les gens qui se rappellent qu'ils ont des pouvoirs, qu'ils peuvent s'en sortir. Hop! La map fait tellement Metroid Prime. Ouais, j'avoue. J'avoue, j'avais déjà vu la map de Metroid Prime. Mais j'ai jamais fini ce jeu-là. Faut que je le fasse un jour. Mais j'ai déjà regardé quelques VOD. Pour voir à quoi ça ressemble. Vu que j'ai jamais eu de GameCube, c'est compliqué. La salle des armes. J'y suis, hein, c'est juste ici. Il devrait y avoir un coffre ici. Un coffre intéressant. Lol, ça m'a touché aussi le feu. Alors un truc que je peux faire, c'est utiliser mon cerveau et genre faire congeler into gros coup. Ah, mais il est là le coffre. L'espace en royal s'est brisé. Comme un peu toutes les armes du jeu. Oh, petite esquive.
C'est ouf la série des Metroid Prime. Ouais, je sais, mais c'est un truc qu'il faut que je fasse. Il y a quand même des séries que j'ai jamais fait. Hein. Metroid Prime, mais récemment, je parlais surtout des Fire Emblem qu'il faudrait que j'essaye. Parce que j'ai jamais eu la chance de les faire. Ou pris le temps. Moi, je peux ouvrir le coffre. Hein. Je sais pas trop ce qu'il fout là-bas, mais. Bottes de la garde royale. Ils ont l'air stylés. On va attendre d'avoir toute la tenue avant de l'équiper. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'occuper de lui. Hein. Et voilà. Et de son collègue en bas. Ah mais c'est vrai, quand on charge trop, il y a le pouvoir d'électricité, faut que je fasse gaffe. Je l'ai tellement défoncé. Alors cette arme on la jette. Quelle autre arme on jette? Cette arme de Koga là on la jette. Quoi d'autre? Mais c'est bon. On va récupérer un espadon noir. Parce qu'ici il y a des armes craquées. Je pourrais récupérer un grand espadon aussi. Et c'est bon. Enfin, j'en ai juste fait un sur GameCube. D'accord. Mais faudrait que je vois avec quelqu'un qui en ait fait plein. Parce que j'aimerais savoir dans quel ordre faut les faire, lesquels sont importants, est-ce qu'il y a un lore, est-ce qu'il y a une histoire qui se suit, ou c'est juste des jeux à chaque fois différents mais dans le même univers. Pour commencer par le premier, quoi. Parce que je suis déjà en vouloir faire les premiers d'abord. Mais vu que j'y connais vraiment rien, faut que je vois avec quelqu'un. Alors la suite. On a eu celui de la salle d'armes, maintenant dans la grande salle et quartiers généraux. Le problème c'est que la grande salle et quartiers généraux c'est tellement vague. Parce que la grande salle, je pourrais dire que c'est la salle où on était avec la bouffe. Mais je suis pas sûr, tu vois. Les quartiers généraux aussi, ça fait pas trop de sens. La grande salle et les quartiers généraux. Faudrait juste que je vois un peu tous les coffres que... Par exemple là il y a un coffre qui m'appelle, allons voir quoi. Alors est-ce que je suis capable d'être assez bon pour traverser? Ah merde, merde, le jeu, arrête. Arrête le jeu, le vent. Oh là là, le jeu. Bon d'accord. Le vent m'a complètement troll. Mais je pensais que je pouvais après planer. C'est pas le même univers par rapport à ce que j'ai fait. Ah bon? C'est genre des... Si c'est même pas le même univers, il y a même plus les mêmes personnages alors d'un jeu à l'autre. Ah merde. C'est ça que j'entends. Genre est-ce que c'est comme FF par exemple? C'est genre le même délire et puis c'est tout. Genre c'est même pas les mêmes persos, c'est... Et les mêmes grandes règles, mais rien de plus, tu vois. Je suis venu d'où, moi? Tout est fermé. Ah, je suis venu d'ici? Ah non, c'est la grande salle. Ouais, comme FF. Ah, d'accord. C'est-à-dire, même les persos sont pas les mêmes, parce qu'il y en a qui kiffent certains persos. Moi, je pensais que... Du coup, les persos, ils étaient liés. En fait, pas du tout. Donc, les persos avaient un certain intérêt. Du coup pas du tout. À chaque fois c'est des nouveaux persos il me semble. Carrément, donc peu importe lequel tu fais, on s'en fout. Pouais,
Ah merde, mon arc. Alors là, je suis mal. Ah, je suis mal. Oh. Oh, heureusement que j'ai la fée qui me protège. Vite, à couvert. C'est bon. Parce que en parer deux en même temps, je sais pas vous, mais c'est pas simple. Alors, parons celui-là. Ah! Attends. Faut pas que je brise un bouclier trop important. Le timing. C'est passé. Les paris, ça me connaît. J'entendais vraiment pas à me faire viser par deux mobs. Ce serait par où? La salle principale. Est-ce que j'essaie la salle où je suis allé juste avant? Où il y avait de la bouffe? Peut-être c'est ça en fait. Il y a des persos différents, sauf un jour t'as la possibilité de choisir avec qui tu veux aller. Comment ça, avec qui tu veux aller? Qui prendre comme héros, tu veux dire? Alors, vous avoue que je sais pas trop. Serre-toi de ma rage quand tu veux. Lol. Je m'attendais à trouver une arme craquée, il y a une arme enrouillée quoi. Salut toi. Dans le cul la balayette. Ah, j'ai plein d'armes ici, j'avais oublié tellement c'est craqué. Oh lol, j'avais oublié qu'on pouvait porter les tonneaux, lol. Ouais. Mais alors, ici serait où le coffre? Ah, ici c'est quand même pas simple à trouver dans le château d'Hyrule. Hein. Parce que quand ils disent. Pas sûr de savoir de quoi il parle en fait, la grande salle et les quartiers généraux. Ah, ça pose problème. Genre là, je me dirige vers une grande salle. Est-ce que ce sera la bonne? J'espère. Oh, l'albarde qui va déjà se briser. On dirait qu'ici il y a un coffre, effectivement. Une petite épée de glace qui peut être pratique. Quoi, j'ai pas d'arme qui va se casser? Bah si, mon arme elle va se casser maintenant. Autant la jeter. Voilà. Merde! Tu sais que j'ai essayé de me TP sur lui à la Shadow of War. Mais merde. Merde, j'avais la possibilité de surprendre et je l'ai pas fait. Bah, je crois que c'est celle-là la plus grande salle du château. Si on regarde sur la map, ce serait bien celle où je suis en fait. Si on regarde en vertical, enfin de manière verticale pour avoir un plan sur la superficie, on dirait que c'est celle-là.
Après, est-ce qu'il n'y avait pas des détails un peu plus genre dans le couloir? Je me rappelle qu'à un moment, il disait dans le couloir quand même. Donc, un, dans un couloir près de la grande salle. Et au premier étage des quartiers principaux. Donc, un couloir près de la grande salle. Donc là, ce sera pas dans la grande salle, ce sera un couloir autour. Donc là, je viens de passer un couloir. Est-ce que si je regarde, le col d'où serait le coffre? Voilà. Attends, déjà, on va s'occuper des mobs qui cassent les couilles. Oh, j'ai peur de savoir où c'est en fait. Et qu'il faut que je fasse tout le tour. Une somme plus grande, il me semble. D'accord. Bon, écoute. Si tu veux pas te laisser tuer, transforme-toi en glaçon. Voilà. Et là, t'auras plus trop le choix. Tac, 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 tac. Et c'est bon. Non, il y a une autre salle donc qui serait plus grande, il me semble. Celle où j'ai mangé ou ici? Parce qu'en fait, ça c'est la bibliothèque, donc c'est pas vraiment une salle. Je sais pas si on peut l'appeler une salle vu que c'est la bibliothèque. Mais alors, elle serait où là? C'est parce que celle qui est dans le fond, tout en bas à droite, celle qui sort de l'écran là, c'est une grotte, hein. C'est pas vraiment une salle, c'est une grotte. C'est une grotte et il y a de l'eau dedans et tout. C'est pas vraiment une salle. Donc, mais moi je pense que c'est le petit couloir adjacent. Depuis cette grotte qui a le coffre. Parce que si je regarde bien. Alors il y a ça déjà qu'on peut dépasser. Barre-toi. Et ça. C'est en fait des portes cachées. Il pourrait y avoir les coffres dedans. Après ça m'étonnerait. Tu peux utiliser mon bouclier quand tu veux. Ici il y a un brise rock. Alors déjà ça c'est cassé. On peut prendre le brise rock. Donc ici c'était non. Ah, ok, je pensais à celle-là justement. Ouais mais c'est une grotte en fait. Mais c'est vrai que si tu sais pas, celle est effectivement plus grande. Donc ça m'étonnerait qu'il parle de la grotte. On peut y aller par ici. Et là on se dirige vers la grotte. Mais là c'est pas vraiment un couloir non plus. Donc ça marche pas pour le couloir près de la grande salle. D'ailleurs j'aurais pu me TP dans le sanctuaire qui est là pour rentrer plus vite dans le château là. Mais bon, c'était sympa d'y arriver par devant. Lol. Lâche. Du coup, un couloir qui serait proche, ce serait le couloir là-bas, alors, d'où je suis venu. C'est possible, hein. C'est possible que j'ai raté un coffre. Faut que je suive mon indicateur de coffre en bas à droite, mon détecteur. Alors, ouais, on va. Parce que là, il est pas mal réveillé. Je fais pas assez gaffe, je trouve. Alors, est-ce que je peux faire un truc du style? Ok, je pense que j'ai gâché mon rive. Oh! On peut passer par le toit? Non mais lol. Je savais même pas. Trop stylé. J'aurais pu venir par un autre endroit dans la bibliothèque. Ah ouais, on voit. Mon détecteur dit qu'il y a un coffre par là, quoi. C'est ça qui me semble bizarre. Tu peux utiliser ma prière à tout moment. Non, par là, y a rien. Par là, ce serait quoi? Ce serait dans la grotte sous l'eau? Ben, dans le couloir, là?
Ce serait bizarre. Sur le toit. Ouais, mais après, ça suit pas le truc parce qu'ils disent. Ils disent au premier étage et. Attends. Dans un couloir près de la grande salle, au premier étage des quartiers principaux. Passe par dehors, peut-être. On va essayer de venir par l'autre chemin, tout simplement, et on va voir si on le trouve sur la route. On va essayer, on va essayer. De toute façon, qui ne tente rien à rien. Tant que je me fais pas défoncer par des gardiens. Mais non, ça devrait aller. Hop. Est-ce que je peux passer par là en mode raclure de bidet? Normalement, ici, je peux marcher. Voilà, je peux marcher. Et puis essayer d'aller sur le toit. Enfin, aller là-haut, voir ce qui se passe. Même si je pense pas que ça va mener nulle part. Parce que ça, c'est la route normale pour se déplacer après vers, vers en haut. Écoute. Ah merde, faut que j'ai une vision sur... est-ce que ce serait ce... Attends. Je vais tout descendre tout en bas, c'est peut-être une mauvaise idée. Mais j'ai envie de tester un truc. C'est sans doute une mauvaise idée. J'ai envie de voir ce couloir là. Hop. Laisse-moi tranquille. Voilà. Est-ce que par là il parlait de quelque chose d'intéressant? Je pense pas que je vais le trouver ici. Hein. Bon écoute, je vais juste marcher à pied plutôt que me faire chier avec le tramway. Après je peux vous montrer après comment c'est de faire le tramway dans le jeu. Bam! Quand j'ai détruit le rocher. Ah, je me disais bien, les loots ils arrivaient pas. Ils sont arrivés un peu en retard. Barrez-vous. Ce non-respect des chauves-souris. Par contre, le respect du loot. Voilà. Est-ce que par là c'est possible qu'il y ait un. Mais c'est pas un couloir. Hein. Je crois que je me prends la tête pour rien. C'est vraiment pas un couloir. Hein. Ça a rien à voir. Ici, il y a un gros mob en plus. Je crois que c'est un méchant, ça. Oui. Ouais, c'est un méchant. Bon, ouais, je vais essayer de me le péter quand même. Gratos. Allez. Bon, attends. On va se venger du fait que... Nye. On va se venger du mec qui s'est foutu de notre gueule tantôt, voilà. On va prendre le casse-montagne. On va le défoncer en 2 secondes. Hop. Ah mais merde. Son truc il est sur le côté, comme ça tu peux pas le taper. Ah c'est vrai que c'est la fin du... Oh, je suis dessus. Lol. Bon il me faut une lance du coup. Non j'ai une lance. Ah j'ai pas de lance. Ah dommage. Ah, voilà. Je sais pas, le son il a bugué. Tu l'as jeté tout à l'heure. Ouais, c'est vrai qu'elle avait plus de PV. Du coup, je vais utiliser le brise-roc, tant pis. Après, j'ai une lance, mais elle fait que 22, je pourrais l'utiliser. Je suis sûr que je peux l'arnaquer. Part dans le dos. Ah mais il se déplace tellement bien. Voilà, j'ai mis un coup. Oh, j'avais oublié que j'ai pas de PV ni d'armure. Parce que je suis habillé comme un glandu. De la bouffe, bla 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 bla. Ah merde, là je suis baisé. Mon perso qui a grimpé quoi. Oh là là. Bon tant pis, je le fais avec la lance qui a peu de PV. Oh mais quand il m'écrase.
Mec, je suis goûté hier, j'ai avancé. Attends. Hop. Hier, j'ai blabla, blabla. J'avais avancé dans un nid et quand j'ai déco, j'ai pas sauvegardé. LOL. Ah, tout le monde s'attend à des sauvegardes automatiques, mais c'est pas toujours le cas. Dommage. J'avoue, c'est triste. C'est même vachement bizarre hein, qu'il n'y ait pas eu de sauvegarde automatique. Enfin, d'habitude, j'en ai au moins quelques-unes, quoi. Voilà. Mais j'ai bien que c'était possible de marcher dessus. Mais je pris la tête pour rien. Grave jeu de merde, MDR. Oh, c'est un bon jeu. Bon, j'ai récupéré plein d'argent. Parce que dans le jeu, pour faire de l'argent, c'est des minerais. Là, j'ai largué une bombe et elle vole. Ouais, donc c'était pas du tout par là. Donc attends, si c'est pas là et que c'est pas là. Après des quartiers principaux. Les quartiers principaux, c'est les trucs tout en haut. Ça, je suis sûr et certain. Mais la grande salle, c'est donc pas ici. Parce que ça, c'est bibliothèque. C'est là où ils mangeaient en fait. Je me suis pris la tête pour rien. C'est 100% là où ils mangeaient en fait. Du coup, je devrais aller par là-haut. Quand je rentre dans un endroit, il y a le nom du truc. Du coup, j'aurais dû regarder les noms des zones en fait. Mais ouais, c'est un jeu. Ouais, c'est un jeu, c'est trop dingue. C'est trop dingue qu'il n'y ait pas de sauvegarde auto. Ah, bah dans le Nier aussi, il n'y avait pas de sauvegarde auto dans le 1. Mais c'est vrai que. Genre, t'avais bien avancé, t'avais joué combien de temps? Parce qu'il y a bien avancé, bien avancé. Et là, je vois le coffre sous mes jambes, dans ce couloir, et je me suis fait chier pour rien. Le pire, c'est que c'est possible, hein, parce que là, j'entends un coffre pas loin. Enfin, j'entends un coffre. J'entends un coffre dans les alentours. Y'a pas un arc que je peux récupérer ici? Si. Non, mais lâche les poteaux. Mon bâtiment arc complet? Mais lol. Normalement j'avais... Il me manquait un arc. Lol, j'ai récupéré un vieil arc de merde, jeté. Deux heures à peu près. Ouais, mais de toute façon ça fait toujours chier quand on n'a pas sauvegardé. Même si on a peu joué. Dommage. Rip mon frère, rip. Lol. Je crois qu'on l'a pas vu. Rien que parce que t'as fait le mec camouflé, je te pète la gueule. Je vais prendre une arme. Voilà. Prendre le. Ah mais il est là! Lol au pif complet! Uniforme de garde royale. Le pif. Vous avez dit que je jouais au pif? Donc là, dans un couloir près de la grande salle, mais c'était la grande salle où il mangeait du coup. Ouais, c'était en face de la grande salle où il mangeait. Parce que si tu regardes... Bah non, même pas. Près des grandes salles, parce que là, elles sont pas reliées. Au bout de ce couloir, c'est pas... Ah si, c'est relié à une porte, attends. Donc c'est bien ça les grandes salles. Ouais, mon premier call il était vu, une grande salle, mais oui. J'aurais pu rentrer et re-rentrer. Et c'est dans ce couloir. D'accord. Du coup, ça va. T'es passé devant 5 fois. Mais en même temps, je pensais vraiment que c'était dans ce couloir, en fait. Ici, dès que c'est devenu un peu en mode rustique et tout, pour moi, c'était une autre zone, tu vois ce que je veux dire. Parce que ça change complètement de thème. Moi, je pensais vraiment que c'était les couloirs des grandes salles. Pour moi, c'est celui-là, en fait.
Après, peut-être c'est moi, on ne sait pas. On va dire c'est le jeu, pour une fois. Non, c'est sans doute moi, c'était sans doute clair en vrai. Bref, c'est pas grave, ça a été trouvé. Donc au premier étage des quartiers principaux, là je pense que c'est simplement à la chambre de Zelda, les quartiers principaux. Hein. Là même, t'inquiète, je t'aurais dit sinon. Ouais. Mais là où je suis passé tellement de fois devant. Les quartiers principaux, je suis presque sûr que c'est là où vit Zelda. Donc on va simplement tricher et grimper tout en haut, enfin tricher. Par contre, le temps que je grimpe, je vais me mettre dans la tenue d'escalade. Comme ça, j'ai plus d'endu. Parce que Zelda, elle habite tellement loin. Putain, pour que Link il aille la voir la nuit dans sa chambre, il a dû en traverser du chemin hein, et tous les gardes, t'imagines? Tu vas voir ta copine, tu te fais chier à traverser tout l'univers. Après, elle lui parle tellement mal Zelda à Link dans celui-là. Ouais, elle lui parle mal. Genre, à un moment, elle lui en veut pour je sais plus quoi et tout, c'est trop drama. Mais c'est les femmes, ça. En même temps, Link, il parle jamais, elle devait mal se sentir au bout d'un moment. Mais à un moment, elle chiale et il la prend dans ses bras, c'est tout ce qui compte. Hop, petite cachette. Oh non, la flotte, bla. Putain, je suis tellement en mode infiltration, je tue aucun mob. Faut savoir que là, je suis genre en face du boss de fin. J'avance là dans cette porte et la cutscene démarre. Du coup, tu peux vraiment speedrun le jeu comme un enfoiré. De toute façon, le jeu, il se speedrun super bien, je crois, en 30 minutes. C'est passé tellement à une frame, j'avoue. Il a pas vu tout, il a pas vu plus de 75% de mon corps, il s'est dit, il a disparu. Donc elle habite ici, juste en bas. Hop hop hop, je vais peut-être devoir tuer... Ah peut-être lui en fait. Ah! Bon écoute. Hop! Pas que je t'aime pas mais barre-toi. Pourquoi j'ai pas mon épée qui brille? Ah non, il va mourir quand même, voilà, j'étais en mode putain les PV. Les PV de cette tour. Ah merde, c'est du goudron, non. Je croyais que c'était un rocher. My bad. Est-ce que je peux monter là-dessus sans voilà. Hop. Merde, je me suis foiré. Donc les quartiers principaux pour moi c'est ici. On va utiliser une petite flèche archéonique, c'est toujours sympa à voir. Quoique. Attends, faudrait que je sois en l'air pour pouvoir stopper le temps. Comme ça, je suis sûr de le tuer. Et bim! Il a rebondi, on dirait tellement qu'il était vide. Oh, une princesse de la sérénité. Pauvre Zelda qui vivait ici. Lire le compte-rendu des recherches de Zelda. Ils appellent ça un compte rendu des recherches. Bien entendu, c'est son journal intime. Et elle parle mal des gens. Mon entretien avec Impa, la chef des clans. Bon, ok, c'est chiant. Arrêtez de lire. Oh là là. Ça va pas nous mettre un journal intime aussi. Donc là, c'est bien les quartiers principaux, non? C'est là où ils vivent les gens. Enfin, c'est là où elle vit, elle. Boing. Alors, attends. Le jeu, il nous dit quoi? Au premier étage des quartiers principaux. Est-ce que quand je suis rentré ici, ça a dit quartiers principaux? Je ne crois pas. Ça a dû dire chambre de la princesse Zelda. Est-ce que ça, c'est des quartiers principaux ou pas? Tu peux utiliser...
utiliser ma prière à tout moment. Oh, j'avais pas envoyé des flèches archéoniques là. Sorry. Attends, c'est moi ou on voit 5 flèches? Ah non, on en voit qu'une, oui. Hop. Ah mais c'est appartement de Zelda, c'est pas quartier principal. Merde. Putain, mais il y a des meubles partout. Il y a des meubles partout sur la route. Épée longue vertu. Oh, j'aime bien cette arme. Bon, vas-y, barre-toi. Bah, c'est les appartements de Certa, c'est pas les quartiers principaux. Est-ce que plus loin c'est les quartiers principaux? Non. Très bien, ok, c'était de la merde. Du coup, ça. Oh là là, mais c'est où les quartiers principaux? On va se faire chier. Hein. C'est où les quartiers principaux dans le jeu? Putain, moi j'étais persuadé que c'était là, c'est pour ça que j'ai pas regardé les autres d'abord. Bon bah tant pis, c'est pas ici. Hein. Faudrait que je saute quelque part d'autre. Ici en bas, il y a une porte. On va y aller. En dessous, je pense. Ouais, on va essayer. Hop. Hop. Ici, il semblerait qu'il y ait une porte pas loin. Ici, à droite. Alors, il y a ce méchant, là. Casse les couilles. Ouais, il a l'air vraiment chiant, lui. Putain, mais il a tellement de PV. Attends. Je crois que par là il y a un moyen d'aller quelque part. Je me rappelle bien. Non? Mais là il n'y a pas un escalier normalement. Ah, j'ai des souvenirs, mais je suis pas sûr qu'il y a un escalier ici. C'est juste que j'ai pas détruit la corruption encore. Ah merde! Je pensais que j'avais encore des puissances. Parce que. Attends. Ou alors c'est plus haut, c'est un peu plus haut je pense, du coup. En monétarie t'étais au 2 des métal, du coup première tâche c'est en dessous. Ouais, je crois. Après faut voir un endroit où je peux rentrer, là genre j'étais là bien. Donc ouais du coup ce serait ou cette entrée qui est sous moi, ou l'entrée un peu en bas à gauche. Une des deux entrées devrait mener quelque part d'accessible. Ah ouais on voit. Il semblerait qu'il y ait une entrée... Ah merde! Faut pas chier. C'est vrai qu'il y a une entrée à l'intérieur là, mais je la vois pas. Hop. Ouais. Moi je me prends trop la tête. Mais elle est où cette porte? C'est ça qui me rend fou, la porte qui est censée être derrière moi. J'ai besoin de savoir. Non, je suis pas bien dans la tête. C'est qui ça? Oh! Bon, d'accord. Tu veux te la jouer comme ça? Ah! Je me suis foiré. C'est bon. Ah, blanc!
Blah. Oh, je prends un bouffe parce que sinon je vais mourir. J'adore. Quand les gens chutent dans le jeu, c'est vraiment trop stylé. Oh non! Oh non! Là! Arrêtez! Je suis un poisson! Je suis le maître de l'océan! Laissez-moi tranquille! Remonte! Remonte, on te dit! Oh mais cette chute! Oh mais cette chute! Salaud! Attends-moi! 2 ans plus tard, il regravit la montagne. Espèce d'enfoiré! Ah mais la régen! Ah bah si la régen, moi je respecte pas. Hein. Ah très bien, j'ai whiff tous les coups. T'avais pas mis pourquoi ça aurait fait un autre clip. Ouais mais mec je voulais sauver le monde. Si j'étais tombé si bas, je sais pas ce que j'aurais fait. Je serais retombé tout en bas, ça m'aurait rendu fou. Bref. On va voir les quartiers principaux où ils sont. Cette tour, il n'y a aucun moyen d'entrer. Par contre il y a une entrée un peu plus bas. Voilà ici. Alors est-ce que c'est les quartiers principaux? On ne dirait pas. Wow. C'est vrai que là il y avait un... Ah merde. Il y avait une grosse zone ascenseur comme ça. Alors quartiers principaux s'il vous plaît. Le jeu. Mais non c'est là où j'étais tantôt. Après il y a un coffre à ce que je vois donc... Ouais on voit. Bon déjà lui est gratuit. Oh des méchants. Ok très bien. Ah voilà tu vois c'est ça que je te disais. Là j'ai détruit la corruption d'en dessous et dans je peux monter. Ah ça aurait été trop beau que ce soit ici. Nice 3 petites flèches. Un shield, est-ce que j'ai besoin d'un shield? C'est vrai que c'est des shields à 70 quand même. Hein. Du coup, je vais jeter un shield à 80. Après, c'est des shields. Oh, vas-y, jeter. Ah, mais merde, c'est pas le bon shield celui-là. Oh, 55. Mais oui, les meilleurs shields, c'est. C'est les shields noirs. Épée royale, est-ce que j'ai vraiment besoin d'une épée royale? Je sais pas. On va juste vérifier que là ça mène nulle part. Qu'il me serait pratique. Mais non, là c'est là où j'ai essayé d'arnaquer tantôt. Le problème c'est que je vois pas le quartier principal qui se dessine. Mais j'ai quand même essayé la porte où je voulais aller parce que je suis curieux. Ah non, justement, c'est l'entrée là où je suis. C'est là, je vais sortir par l'entrée. Que j'essaie de voir, c'est ça. Bah moi maintenant je sais. Voilà. Du coup il y aurait un coffre quelque part. Pourquoi je retombe dans l'eau là? Alors ces quartiers principaux en vrai je sais pas trop où c'est. Hein. Faudrait piffer je crois. Mais est-ce que ce serait une bonne idée de piffer quoi? Essayons là-bas. Ah je suis trop bas là, mais lol. Donc où est-ce qu'il serait ici quoi? Oh.
Le cerveau marche. N'empêche, il devait être méga stylé le château quand il était bien. Ah ouais. Mais la première fois que tu le fais, franchement, c'est un bonheur. Hein. C'est un château, c'est un bonheur à esquiver, à visiter. Tu fais toutes les salles, tu défonces tout le monde, tu loot tellement. Tu te stuffes quand même malade. Toutes les armes, tous les boucliers qui sont ici sont tellement plus haut level que tout ce qu'il y a dans le reste du jeu. Mais rien qu'à voir tous les shields que j'ai, hein. Quand tu vois tous les shields noirs, tous les arcs noirs, toutes les armes noires et que j'ai. En plus des armes de Linel, tout vient d'ici, c'est trop bien. Bon, je sais vraiment pas où c'est les trucs là. Hein. On va juste se balader, hein, on va tomber dessus au pif. Mais le problème c'est que il y a un cool de bouclier de coffre, mais je le trouve pas. Alors attends. On va essayer de le refaire marcher. Il dit qu'il est par là. Par là à gauche. Ce qui voudrait dire qu'il serait où? Attends. Moi j'ai juste suivi mon indicateur en fait. Est-ce que ce serait en bas? Bah non, notre premier étage. Mais ça ferait aucun sens avec au premier étage. Mais en fait, on est pas dans le quartier principal. Là, c'est ça qui me saoule. C'est que je trouve pas encore la zone qui s'appellerait quartier principal. Après, je peux descendre voir ce que le jeu me dit où je suis là. Il y a même pas de texte qui s'affiche. Alors que je suis dans les catacombes ou je sais plus comment ça s'appelle. Là où il y a le bouclier, il y a les geôles. Voilà. C'est pas du tout ici. Mais c'est l'indicateur de coffre qui peut m'indiquer n'importe quel coffre qui me perturbe du coup. Mais bon, remonter ça se fait vite, du coup c'est pas grave. Alors je t'avoue que là je suis un peu... Attends. Réfléchissons. J'ai déjà visité tout ça. Là, il y avait le premier coffre. Premier étage. Un endroit où il y a deux étages. Mais ici, il y a deux étages techniquement. Je suis techniquement au premier étage. Les quartiers principaux, tout en bas, là, c'est la bibliothèque. Non, c'est pas la bibliothèque. C'est quoi là, tout en bas à droite? Ce serait pas peut-être. Non, c'est les geôles. C'est les geôles, c'est les grottes. Là je continue sur le couloir, j'atteins l'escalier en circulaire, je continue, je retourne aux salles d'armes en fait. Je retourne à la salle d'armes et tout à gauche c'était la grande salle, là-bas c'est la bibliothèque. Est-ce que ce serait pas derrière la grande salle, il y a un truc carré qui a l'air assez haut. Peut-être là-bas. Peut-être. Peut-être là-bas. Allons voir. Premier étage. Après, je sais même pas si c'est à l'intérieur. C'est ça qui me rend fou. C'est vraiment, tu peux pas savoir. Oh là là, mais j'ai même pas débloqué ce passage. Du coup, faut que je sorte et que je remonte. Wait. Au premier étage des quartiers principaux.
Observatoire. Ok, c'est pas ici. C'est stylé ici en tout cas. Du coup, est-ce que là je vais entendre un petit quartier principal? Comment on détruit cette geôle? Je sais pas. Alors là, il y a un étage. Est-ce que ce serait là? Bon, la grande salle, ça on connaît. Du coup, la grande salle, on va par là. Normalement, il y a un étage ici. Si je continue par là, je vais entrer dans un endroit où il y a un étage. Ouais, mais ça revient au même... C'est pas les... Voilà, c'est pas le même endroit. Pas avec les grilles que tu ouvres avec la glace. Ça fait tellement penser à Golden Sun. Sérieux? Je m'en rappelle plus. Golden Sun, je l'ai fait pourtant, mais... Ça m'a pas pensé à ça, mais en même temps, peut-être tu pensais à un passage que... Bon, j'ai plus de souvenirs. Golden Sun. Scénario un peu chelou dans ce Golden Sun. Hein. Alors, est-ce qu'ici c'est les quartiers principaux? Ah, mais ça le dit même pas, du coup je peux pas être sûr de moi. Ici c'est la bibliothèque, encore une fois. C'est peut-être à l'extérieur en fait. Sers-toi de ma rage quand tu veux. Bibliothèque. Avec les livres des voleurs, c'est une quête optionnelle. Ah ouais, non, mais je vois, je vois. C'est vrai que j'y avais pas pensé. Je vois le délire. Ah, mais je suis perdu, ça me rend fou. J'ai l'impression que je tourne en rond, c'est saoulant. Enfin, je tourne carrément en rond en fait. Mais le jeu est vraiment stylé. Golden Sun, c'est stylé. Premier étage des quartiers principaux. Je sais pas du tout où c'est. Bah tourne un peu en rond. D'accord. Ah, je rigole. Oh là là. Ah, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué, c'est compliqué. C'est peut-être 100% à l'extérieur. Je gomme ma toute. Bon app. Putain, mais cette grimpette. Ah bah, voilà, il a pas réussi. J'étais en mode s'il réussit ça. C'est le dieu. Oh, est-ce que je vais avoir assez d'endu? Vas-y. Non, vas-y. Oh, c'est bon. Oh, purée. Oh, purée, oh, purée, oh, purée. Ouais, on voit. Où est-ce que ça pourrait être, du coup? Où est-ce que ça pourrait être, du coup? Ça mène où ça? Ça c'est une grotte.
Putain, j'ai aucune idée. J'ai aucune idée d'où aller là. Même me déplacer, je suis en mode je vais aller où. Bon, j'ai l'impression d'avoir fait le tour de l'endroit quoi. Là, je vais me faire attaquer. Faudrait que j'attende. Hop. Non, il va pas me voir. Est-ce qu'il peut me viser d'ici? J'espère pas. Non, c'est bon. Voyons voir. Mais c'est le dernier truc que je dois trouver en plus. C'est quelle partie? C'est la tête. Ou... Attends, hein. J'ai trouvé les bottes et j'ai trouvé le torse. En plus c'est que la tête quoi. Est-ce que je l'abandonnerai pas? Est-ce que je l'abandonnerai pas? Est-ce que ce serait pas juste là-haut en fait à l'arrache quelque part? Quartier principal. Mais lol, t'es sérieux? C'est tout là-haut, mais c'est le boss de fin, c'est avant même d'arriver ici. Bon, je pouvais savoir qu'on pouvait venir jusque-là. Attends, oui, je sais qu'on peut grimper jusqu'où on veut, mais quand même. Oh là là. Bon. Il serait où le coffre? Oh, il est là-bas. Moi, oh, j'arrive pas à y croire. J'arrive pas à y croire, il est là-haut. Ok, mon gars. C'était chiant à trouver. En plus, il est dégueulasse. Moi, je pensais que ce serait une armure trop craquée. Mais en fait, j'ai l'impression d'être un B-type. Mais lol. Garde royale de Monsbou. Zbili bili pouet pouet pouet. Hop. Bon ça va, je comptais. Je connais, je récupère vite des automata. Ah, ok. Comme je connais, je récupère vite. Oui, oui, tu récupères vite. Mec, j'ai enfin trouvé le dernier item du truc. Il était au-dessus de là où il y a le boss de fin. Donc comment je pouvais savoir qu'on pouvait aller encore plus haut? Mais en même temps, on peut grimper où on veut dans le jeu. Mais quand même. Vu qu'en général, tu rentres dans la salle, il y a la cutscene et c'est la fin du jeu. Mais bon, comme quoi on peut aller jusqu'ici. Après c'est logique qu'on puisse aller jusqu'ici mais bon. Est-ce que je peux pas? Bah oh, heureusement que j'ai sauvé ma vie là. Ah merde. J'arrête pas de chuter. Je vais monter tout en haut.
Alors, il me faudrait peut-être la tenue d'escalade toujours. MDR. Marrant de se foutre de ma gueule, hein. Hein. Le Korogu du pif. Grave, c'est un plaisir sans nom. Bande d'enfoirés. Oh, y a un coffre. À moi. À moi, à moi, le loot. Le loot. Oui, le loot. C'est à moi, le loot. 5 flèches archéoniques. Archéonique, toi. Archéonique Trunks. Ah, bon, d'où ça monte pas là? Ça monte, voilà, ça monte, mon gars. Hop. Allez. On escalade le plus haut point du GMU. Enfin, je sais pas si c'est le plus haut point en vrai. Mais ça pourrait l'être. Mais what? D'où je glisse tout ça, quoi? Y a moyen de se tenir sur ça. Voilà. Wouah, mais ils ont donné leur vie. Nom d'une feuille, tu m'as trouvé. Bah oui. Tiens, ma simple. Merci. Oh mais comment il est pimp à se tenir comme ça. Oh là 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 là. En mode il en a rien à foutre du game. Oh mais c'est Jojo Pose qui te prend n'empêche. Il est en mode c'est à moi que tu regardes, c'est à moi que tu parles. C'est à moi que tu regardes comme ça. Est-ce que c'est le point plus haut du jeu? Je pense pas. Hein. On dirait que la montagne là-bas est plus haute. Et il y a des autres montagnes qui ont l'air plus hautes, genre le mont là-bas. Le mont des Piaf. Ouais. Du coup, on a fini toutes les quêtes qui nous demandent d'aller looter des items. Et on va pouvoir aller commencer le DLC en fait. Hop! Jusqu'où je vais pouvoir. Est-ce que je vais pouvoir planer comme ça? Est-ce que je peux sortir du château, de la ville et de l'univers? J'aime bien comment ma petite flèche elle est en l'air sur la map 3D. Pouette. Adieu. Je...